Nous devons découvrir la vérité derrière tout ça. Cette résignation que la société ressent est un résultat direct de la négligence de ceux qui nous gouvernent et des médias. Tu écoutes avec attention. Est-ce que tu es intéressé par la politique? Je suis intéressé. Est-ce que tu es un étudiant? Je suis heureux de réussir à captiver l'intérêt de quelqu'un de ton âge. Je pourrais utiliser l'aide d'un jeune homme comme toi, mais je ne peux engager personne qui n'a pas d'expérience. Je suis désolé, mais je suis heureux que tu puisses venir m'écouter. C'est tout pour aujourd'hui, je vais aller... Un roquet. Je sais plus où ils sont les. Ah, ils sont juste en dessous là. Hop. What are your thoughts? Oh. Okay. Ah non, on peut aller y travailler. Et c'est vachement cool parce que en fait en allant y travailler on va pouvoir contacter le politicien. Voilà. C'est là. I feel a big night. A place for you to go. I've been expecting you. Donc tu es de nouvel emploi temporaire, n'est-ce pas? Je t'attendais. On n'a pas besoin de se présenter. Il faut que tu travailles maintenant. Est-ce que tu as moins de questions? Est-ce qu'il y a d'autres employés? Non, pas vraiment. Notre budget est plutôt limité. Qu'est-ce que je dois faire? I'm counting on you. Bien, faut que je m'occupe de tout dans le restaurant. Nice job. Ça, c'est censé être beaucoup d'argent. Je peux même pas engager la servante avec ça.
All right. Let's head back. Ah, c'est toi. Madame Amé est malade, mais l'exposition est toujours aussi bien. Je ne peux plus le respecter en tant que maître maintenant. Donc je pense que je n'ai plus de mentor. Je t'écoute si tu as besoin de moi. Parler avec toi? Maintenant que tu en parles, je ne pense pas avoir jamais eu quelqu'un avec qui discuter. Peut-être que c'est bien. Ah, enfin. Salut Shiloh! Bonsoir ma Shiloh. La Shiloh de l'amour. Et salut Blacku. Rebonsoir. Attendre est plutôt ennuyant. Je me demande ce que Ryuji et les autres font en ce moment. Ça fait deux fois que le chat voulait pas que j'écris. Ah, je suis désolé. Ouais, j'essaie le tournoi. Ah, ce soir tu t'inscris? C'est cool ça. On va les entraîner avec la mort. Cet endroit devrait être bon. Les conditions sont parfaites pour réunir des données. On devrait commencer. Merci pour le café. C'est pas sûr que je participe ce soir. Ah, tu t'es encore inscrit à la dernière seconde. Qu'est-ce que tu vas me faire faire? Ne t'inquiète pas. Je ne veux pas que tu aies le moins de problèmes avec la police. Bon, tu peux commencer par aller nager dans le lac. Je plaisante. On va juste faire un test de contrôle, on va prendre des données et quand tu ne prends pas le médicament. J'ai besoin de données de comparaison aujourd'hui et je vais toutes les avoir. Plus nous avons de données de test, plus cela sera pratique. 100%, donc ne traîne pas. Maintenant on va courir. 5 km, ça devrait faire l'affaire. Et je ne plaisante pas cette fois.
Cette commande, mon cher Baka, me donne des idées délicieuses. Mmh. N'hésite pas à les utiliser, mon ami. Il y en a une autre aussi, elle est cachée, mais il y en a une autre. La commande point d'exclamation camembert, que j'ai créé spécialement pour Archem. Bonjour, maître. Je vais aller chercher le politicien, mais... J'adore nettoyer les ruines, je veux dire, les pièces sophistiquées comme celle-ci. Ça me donne l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Et si c'est pour vous, maître, je vais le faire. Et si c'est pour vous, maître, je serai heureuse d'être recouverte de poussière. Mais est-ce que ça ne vous rend pas... Est-ce que ça vous paie pas de la peine de voir une si jolie domestique toute couverte de poussière? Non, ça va. Tu devrais continuer d'ailleurs. Et je me sens offusqué. T'as déjà une commande privée, je te signale. Hein. J'adore la prof, elle est tellement à l'ouest quoi. Je suis tellement crevé. Je suis... On ne me permet pas de faire plus d'heures le week-end. Donc je suis obligé de faire ce travail après les cours. Et les jours de congé aussi. Il faut que je travaille sur les questionnaires pour les cours. Et aujourd'hui, il a même fallu que je nettoie une baignoire, que je promène des chiens. Je n'ai pas le temps de me reposer. Et parlant de chats, d'animaux, cette pièce pue le chat. J'ai nourri pas mal de chats sauvages autour de ma maison. Malsain, je suis un incombri. Bah ouais, regarde Black. Tu vois? Un nain, compris? Je suis surpris que tu m'aies appelé. Je ne pensais pas que tu le ferais. Tu ne t'attends pas à faire quoi que ce soit de bizarre avec moi, n'est-ce pas? Bien sûr que non, tu es ma prof. Et ouais, toujours une longueur d'avance, un bac à L. Tant que tu le comprends. Je sais que je suis dans un uniforme de domestique, mais je suis toujours ton professeur. Donc ne te fais pas de mauvaises idées. J'essaie de ne pas être trop impliqué avec mes étudiants, donc... Ah, j'ai besoin de faire une sieste. Donne-moi juste 5 minutes. Peut-être 10. Et avant que tu le saches, le temps est fini. Merci beaucoup. Eh, est-ce que tu connais le moindre travail habitant qui paye bien? J'imagine que tu te fais plein d'argent vu que tu ne cesses de m'appeler.
Dis-moi en tout cas si tu en connais. Tu as besoin d'argent? Ouais, ben. You know. Pour ma petite sœur. Elle est malade et je dois payer pour ses frais médicaux. Et le Baka, il gère. Je gère toujours, vous inquiétez pas. Et c'est pas elle qu'on veut. On veut Futaba. Moi, je veux sortir avec Futaba. What? Comment ça, pas assez? C'est le même montant que la semaine dernière. Non, bien sûr, je comprends. Au revoir. Le mauvais numéro. Désolé de te demander ça, un petit peu sorti nulle part, mais... Est-ce que tu n'aurais pas... 100,000... Tu n'aurais pas 100 000 yens que je pourrais t'emprunter? Non, attends, c'est rien. Je ne peux pas demander de l'argent à un de mes étudiants. Je t'ai demandé. Après, si vous avez des idées de commandes que vous voudriez voir sur le live, tout à l'heure, on m'en a proposé une. Donc n'hésitez pas à m'en proposer d'autres en privé. Hein. Je suis pas contre. Allez, il y a encore 3 clients à voir. On se voit plus tard, maître. Ok. Kawakami est parti. Il a fallu que je range le balai. On a oublié d'acheter du yakisoba. Je vais aller voir Shio. Ne me tente pas, Baka. Ne me tente pas. Et je te tente, hésite pas. Du moment que je trouve que ça peut être sympa, je la mettrai. Hein. Je t'attendrai à Shibuya. Oh, il y a de grosses nouvelles. Un double crème dans ce magasin de crêpes. Et pour la moitié du prix en plus. Probablement pas emmener une crêpe dans un hôpital, hein. Mais j'ai vraiment envie d'en avoir une. Est-ce que tu penses que Shio en voudrait une aussi? Peut-être. Dans ce cas, je vais en acheter deux. Pourquoi il n'y a plus la phase héros de comics? Comment ça, j'ai une phase héros de comics, moi? Ah, tu veux dire dans le jeu? Parce qu'on est dans une phase, en fait, entre deux événements. Et du coup, j'en profite pour relier des liens avec, avec les persos. Sorry. Désolé. Chose est arrivée à mon agence. Il faut que j'y aille. Let's go.
À tout à l'heure, mon Black Hook. Je sais pas si je serai encore là, par contre, je vais bientôt arrêter. Je m'appelle Mika et tu n'as pas besoin d'utiliser d'honorifique. J'arrive toujours quand c'est la fin. Ah, tu regardais le plus beau des streamers, notre ami Alucard, tu ne peux pas regarder tout le monde. Parce que ça s'entend dans sa voix. Parce que c'est un orque de toute qualité. C'est aussi un vampire. Et les vampires sont tous beaux. Et ils brillent au soleil aussi. Comment ça, tu ne t'en fous de faire le modèle pour ces gars? T'as dit ça, Anne? Attends, je... J'aime ce magazine. Tout le monde fait de son mieux pour vendre des produits. Mika, calme-toi. Wait. Ok. On pourrait normalement utiliser cela pendant les négociations. Les larmes de crocodile. Hello, Ishine. Welcome on the stream. De toute façon, je crois que mes liens avec Sotiro ne peuvent pas monter tant qu'on n'aura pas augmenté avec Taba. Du coup, on va appeler notre professeur. Then I'll
drifted. I'm back to Kirin. I left your feet tonight. A way for you to cry. Kawashima a nettoyé ma chambre. Elle me remercie de lui avoir demandé de venir. C'est peut-être quelque chose qui lui ferait plaisir. Ouais, et je joue sur ma PS4. Ouais. Si t'attends la fin du chargement, je te montrerai. Attendez. Hop. Voilà, ma PS4. Ma PS4. Qui peut nous appeler à cette heure? Eh, il y a un film que je voudrais voir. Et si tu es libre demain, on pourra aller à Shibuya pour le regarder. Il s'appelle... Le Chevalier Gâteau. C'est un film d'action. Qu'est-ce que t'en dis? Ok, on se voit demain à Shibuya. Toujours dire oui aux copains. C'est important. Clairement, on dirait un jeu PS3. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Il ne tournerait pas sur la PS3. Clairement, la PS3 est quand même une console assez... Il tournerait pas aussi bien, hein. Je suis désolé. Et il n'était pas si beau sur PS3. Hein. Franchement, regarde des images comparatives, tu verras que le jeu est pas si beau que ça sur PS3. L'image ici est plutôt propre. Après, malheureusement, là je stream en 420p, donc c'est vrai que vous en profitez pas à fond. Mais si je mettais le stream en 1080, vous n'auriez aucune perte de qualité, quoi. Je pourrais le faire à l'occasion si vous avez vraiment envie. Le problème, c'est qu'après, les gens ne peuvent plus me regarder. Donc, voilà. Mais vraiment, je te promets, le jeu est très très beau. Moi, je vais devant les yeux avec une bonne qualité. C'est vrai qu'on est en 420p, j'oublie toujours. Pour de l'argent. C'est la musique des niveaux de Catherine. Mais tu sais que le jeu a été fait par les mêmes créateurs, Ishine. D'ailleurs, il se base théoriquement dans le même monde. Tout dans ce film est ridicule. Mais la passion du protagoniste pour se battre pour ses amis, cela m'a vraiment touché. Oh, on a augmenté la gentillesse au maximum. Notre compassion pour les gens. Après tout, ça m'a fait verser une petite larme. Ces films de vengeance me font vraiment me sentir... ressentir des choses, tu sais. Dans le même monde. Ouais, en fait, dans Persona comme dans Shin Megami Tensei, donc la grosse licence de Atlus, ça se passe dans des mondes dystopiques, mais toujours plus ou moins dans le même genre de monde, en fait. Et du coup, Catherine se passe dans le même genre de monde, un peu halluciné, avec des démons, des êtres suprêmes, des choses comme ça. Ça se ressent plus sur le 5 que sur le 4, parce que le 4 est sorti avant Catherine. Et je pense que le 5 a vraiment voulu faire ressentir toute l'ambiance des jeux précédents. D'ailleurs, le 5 est sorti pour les 20 ans de la licence, si je me rappelle bien. Et c'était pour ça, d'ailleurs.
D'ailleurs, j'attends vraiment. Oui, moi aussi j'attends le prochain Shin Megami sur Switch. On va croiser les doigts pour qu'il arrive. Normalement, il y a un Fire Emblem avant la fin de l'année aussi. Et ça sera cool, quoi. C'est toutes des licences que j'attends. Des grosses licences. Re, j'ai encore gagné. Ok. Le tournoi, il est pas à 22h? On en verra plus à l'E3. Ouais, je pense aussi que. Bah, en tout cas, Nintendo a intérêt à se bouger le cul parce que maintenant ça fait un an et il n'y a pas eu beaucoup de jeux sur sa console. Non, mais sur Overwatch. Ah, d'accord. Tu vas streamer les jeux Switch? On a déjà streamé le Mario Odyssey, hein, je vous signale. Comme ça, pour vous le dire, on a fait Mario Odyssey et Xenoblade Chronicles 2 aussi en live. Et dès qu'il y aura des vrais jeux sur la console ou des jeux qui m'intéressent, en tout cas, on les fera en live, vous inquiétez pas. Putain, je le veux, Tokyo Mirage sur Wii U. Je l'ai pas acheté parce que j'ai pas d'argent et que voilà, mais je le veux vraiment quoi. Oui, le jour de mon anniversaire, Mario Odyssey. Courage, courage, Boxstar. Surtout que j'ai vu qu'il restait encore des éditions collector derrière de Tokyo Mirage et je les voulais, mais. La Wii U et c'est un des rares jeux qui manque à ma ludothèque Wii U. Putain, moi il m'en manque des jeux, hein. J'en voudrais tellement, mais c'est toujours pareil. En fait, il faut que je choisisse entre ce qui me plaît le plus et tout ce que je veux prendre. Et il y a beaucoup de choses quoi. Là, par exemple, ce mois-ci, je vais pas acheter de jeux parce que je me suis acheté des livres et j'avais vraiment envie de livres et du coup, je me les suis pris. Fire Emblem, je suis pas fan, pourtant j'adore l'univers médiéval. Mais Fire Emblem, c'est pas. Enfin, il y a une ambiance médiévale, mais. C'est pas ça le type de jeu, quoi. Enfin, c'est pas cette ambiance-là qui est mise en avant, quoi. Non, moi j'aimerais bien qu'ils fassent les. Oh putain! J'ai vu des mecs qui le proposaient à Nintendo la dernière fois, j'ai pu soigner le tweet. Et une réédition des Suikoden sur Switch, ça j'aimerais bien, ouais. Par contre, personnellement, je commence à en avoir un petit peu marre de voir que la Switch n'a que des rééditions à proposer, quoi. Enfin, je sais que c'est compliqué et que les éditeurs ne veulent pas, mais. Baka en IRL, raconteur d'histoire. Mais vous savez que IRL, je parle pas autant, hein. Je rêve d'un jeu qui fera enfin la superbe combat à l'épée. Et il paraît que. Oh putain, comment il s'appelle ce jeu? Kingdom Come est une très bonne simulation à ce niveau-là, Blackstar. Donc, s'il peut te plaire, regarde sur YouTube. Hein. Et il paraît que Kingdom Come est plutôt goldé à ce niveau-là. Yosuke, est-ce qu'il y a eu le moindre changement? Comment va Madarame? Il n'y a rien eu pour le moment, il est toujours alité. Est-ce que vous pensez que c'était beaucoup trop pour ce vieux bâtard? Il n'y a pas besoin de s'inquiéter, sa vie ne semble pas être en danger. J'espère que cela va pas mal se passer pour notre première mission. Est-ce qu'il peut seulement parler? Pour l'instant, la seule chose qu'il m'a dit, c'est je suis désolé. Je n'ai pas réussi à lui parler depuis. Il n'est pas vraiment en état de tenir une conversation. Pour de vrai? S'il finit par nous mettre en justice, notre chef va avoir de gros problèmes. Tu es sous probation, n'est-ce pas? C'est vrai que ça pourrait être problématique. Est-ce que tu vas aller bien? C'est certain. Si Baki le dit, je suis sûr que c'est vrai. Je vais vous contacter s'il y a le moindre avancée.
Attendons juste un changement de cœur pour l'instant. Perso, moi j'ai pas de PS4, donc je trouve ça bien de voir des portages des jeux PS4. Alors, il y a certains portages qui sont pas si dégueulasses. Par exemple, Crash Bandicoot, vu qu'au final c'était déjà un portage d'un ancien jeu, enfin c'était une réédition, ça me dérange pas qu'il soit mis sur la console. C'est normal. Je veux dire, la cible, c'est de le vendre au plus de personnes. Mais actuellement, j'arrête pas de voir, mais que des annonces de portage. Et ça me saoule parce qu'il n'y a pas un seul jeu, quoi. Je veux dire, on n'a pas de nouvelles du Pokémon RPG, on n'a pas de nouvelles de Fire Emblem, on n'a pas de nouvelles de Shin Megami Tensei, et ça fait depuis la sortie de la console qu'on les attend. Donc voilà, là ils ont fait une demi-annonce sur Smash Bros, sachant qu'il sort à la fin de l'année et qu'on n'a rien vu. Voilà quoi. Et derrière ils disent, on va vous vendre la nouvelle version de Link, le Mousou. Alors que le Mousou il est sorti sur Wii U quoi, il y a 2 ans. Il est déjà sorti sur 3DS une nouvelle fois, avec une édition augmentée, avec des nouveaux DLC, et là ils nous ressortent une nouvelle version quoi. J'avoue que très franchement ça commence à me gaver un peu. Surtout que moi j'ai acheté la première édition, donc. J'attends de tes nouvelles, Yosuke. Bon, on va finir ce live ici pendant que je suis encore tendu. Voilà. Et aussi parce qu'on peut sauvegarder, et c'est ça l'important. J'aimerais que Nier Automata sorte sur Switch. Il n'était pas très optimisé à la sortie. Alors, est-ce qu'il pourrait le mettre sur Switch sans rendre le jeu dégueulasse? Je sais pas. Très franchement, je sais pas. Parce que le jeu était vraiment pas optimisé pour le coup, hein. Il est génial, mais pas optimisé du tout, quoi. Et c'est un fan de Nier qui vous le dit, hein. Je veux dire, j'essaie juste d'être honnête avec ça, quoi. Sachant que la console est pas très puissante. Elle n'est pas pourrie, hein. Elle n'est pas très puissante. Je sais pas si elle tiendrait le coup, quoi. Je sais pas où on en est avec... Quoi le nom déjà? Le pape. Non, mais que les jeux soient corrigés, c'est pas le problème. Ce qui pose problème, c'est est-ce que le jeu peut sortir de façon à être jouable, quoi. Ça serait un peu dommage que un jeu où en fait tout le jeu passe surtout sur le maniement dans Nier, en fait. Faut bien l'avouer. L'histoire est bien, mais si tu peux pas jouer à l'action correctement, c'est une perte de la moitié du rythme du jeu, quoi. Tu vois? Et du coup, me dire que le jeu sera pas jouable à la sortie, mais sera jouable 6 mois plus tard, ça va me saouler. Bon, moi après j'ai la PS4, donc je l'ai fait à la sortie, mais... Après, sinon, faut un PC. Parce que Nier Automata est sur PC, les amis, hein. Il est disponible sur Steam. Please consider what I have to say.
You. Il nous dit deux fois la même chose. Ouais, mais je retouche plus à Windows. Et pourtant, la version PC a été pas mal améliorée. À la sortie, elle était dégueu, mais il paraît que maintenant, elle est bien. Bombardé d'ordre, et tu vas pas réussir à tout retenir. Un large barbecue. Un roux boule. Un medium barbecue. Un large. Un large barbecue bon. Un Ryu bowl. Voilà. Un large beef bowl. Panique pas, panique pas, je panique. Ah, est-ce que j'ai raison? You. Tu sembles traverser des temps difficiles. Est-ce que tu pourrais demander au propriétaire d'engager plus de personnes? Tu semblais extrêmement occupé. Les employés qui ont beaucoup trop de travail, c'est un problème récurrent dans le monde du travail. Cela m'inquiète. Il faudrait que je m'en rappelle. Well then, I'll see you again. Je te laisse le paiement. Merci pour la nourriture. Ce n'est pas le politicien qui donne des trucs sur le métro. Il s'inquiète pour les employés. Oh, j'imagine qui c'est qui tu es maintenant. Tu devrais aller à la station de métro et lui demander s'il veut bien t'enseigner. Good work. Bon travail. Il semblerait qu'il y ait eu beaucoup de clients aujourd'hui. I'm counting on you. Je compte sur toi dorénavant. On a fait un parfait, les amis. Un parfait. Et on a presque gagné assez pour engager la prof une nouvelle fois. J'ai rien préparé pour demain, c'est génial. Je suis tellement un colmon. Putain, mais quand je m'y mets, moi. C'est vrai que je vais pas aller me coucher dans la seconde. Ah, on va pouvoir lire. Panique pas, panique pas. Tout va bien. Ah. Allons engager la prof. Ah, la prof. Ah. Je suis allé pêcher dernièrement et les temps de pêche. Je peux pas aller pêcher en océan parce que j'ai le mal de mer. Et cela a détruit mon rêve de devenir un marin. Ah oui, au fait, quand les gens pensent à partir en mer, ils pensent souvent aux pirates. Ils pensent à tous ces vieux matelots qui accostent et qui prennent les choses par la force. Et pour des raisons étranges, cela tend à devenir romantique. Maintenant, Livecoon,
Oui. What is the answer? Arrête de lire des hentai, Black. Qui est le pirate qui a dit que le trésor était caché dans un endroit? Ah, je sais, c'est dans One Piece. William Kidd? John Silver. Very good. En effet. Captain Kidd. Il est déjà 20h. Putain, merde, il faut que j'arrête moi aussi. En effet, et il est devenu un pirate alors qu'il avait une lettre de commission de l'Espagne à l'époque pour devenir un pirate agréé, un corsaire. Nice going. Si, il faut que j'aille me coucher, Black. Demain, on commence à 8h. Et pas à 8h du soir. Tu fais un gros live demain, ouais. Il y a pas mal de gens dans le memento qui seront affectés. Et ouais, et on va aller dans le memento d'ailleurs. Blackstar qui ne suit pas les réseaux sociaux. Blackou, Où est passé ton envie, ta passion? Tu vas me dire, je me rappelle même pas si je t'ai sur les réseaux sociaux. Je crois que je vérifie ça après. I'm a phantom dear. I'm just masquerading. I need to take my mind. A place for you to cry. I'm a phantom tear. I'm a phantom tear. Na 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 na. It appears everyone is here. Je suis un ermite de Twitter. Je l'ai aussi dit sur mon Facebook, sur le Discord, et je l'ai enfin dit, comment ça s'appelle déjà, sur le bas de la chaîne, sous la vidéo, normalement, vous voyez, il y a des textes. De temps en temps, j'envoie des trucs. Nous avons une nouvelle cible. Il faut aller s'occuper... Oh putain, elle a un de ces jolis petits culs. Elle serait bien là comme ça toute la journée, mais elle est mineure. Donc non. Allons dans le memento. All right, I'm gonna bust loose. Ouais, j'avoue que je passe pas mal de temps sur Twitter la journée parce que je suis au boulot en fait. Et du coup, j'ai tendance à y traîner un petit peu. Yeah. Let's go. La salle. Du coup les amis, c'est ici qu'on se quitte, je vous remercie d'avoir suivi ce live, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur Bacal Live ou ailleurs. Demain il y a le 24h du live, si vous voulez passer on fera du Zelda sur NES. Si vous voulez pas passer c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Il faut aussi que j'installe l'émulateur, tout ça, que je fasse la calage et tout, voilà. Je vous aime, et gros bisous, à demain. Putain, je suis crevé.